Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Au prochain Info 9, c'est l'émission Chita, attendez des nouvelles, ça qui est entré la caillou. Moi, c'est Mette Info, quel que soit coteau branché. Nous disons bienvenue sur le canal Information sans force côté. Michel Saillé, et 84 l'année, c'est non propriétaire PIA et Maquette, et bien bandit Axam Touye à hier après-midi, et dans la lue, zone post-marchand. Donc Gladys Saillé, lui-même qui c'est madame victime nan, avec chauffeur, il recevait plusieurs balles côté, il était allé prendre soin sous cabane l'hôpital dans la capitale Port-au-Prince. Donc bandio a meilleur même pas chômé dans le pays d'Haïti. Gagné et président Jovenel Moïse qui lui-même lui a pointé route là pour que lui marche vers pour mettre stratégie d'ailleurs pour mettre campé nouveau conseil électoral provisoire. Donc nous disons, eh bien, gagné un pile moun qui pas d'accord avec chef l'État non logique ça et qui dit, eh bien, yo pas bail moun pour aller non conseil électoral provisoire divers secteurs non société a, eh bien, pas tomber d'accord avec chef l'État pour que yo joigne bali moun pour aller non conseil électoral provisoire que la monté a. Donc yo dit allez ouais pour que l'État fait élection, puisque d'après ça, il dit, et mes chefs l'État pas inspiré yo confiance. Madame chef l'État, première dame de la République, là, Martine Moïse, eh bien, t'es fait une visite hier après-midi dans Cité Soleil, côté que l'été allait visiter, ouais, avec dégel, qui gens population dans Cité Soleil à vivre après passage cyclone Laura qui lui-même quittait en pile dégâts dans Cité Soleil. Auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, comme d'habitude, n'a invité à continuer brancher, continuer abonner au canal information sans fausse côté de manière à ce que nous capables continuer porter bon genre information frais, clair, coup de loco pour ou même qui abonné déjà, nous remercions pour ça et ou même qui pourquoi abonné, n'a invité à abonner de manière à ce que chaque nouvelle vidéo nous publie, la privée joue nous de façon automatique. Jean nous annonce au lit, eh bien, gagné et bandit Améo dans le pays d'Haïti qui pas chômé puisque yo est touillé à exam hier après-midi. Michel Saillé, qui lui-même, qui a 84 l'année, et dans la zone post-marchand, et la lui, bien côté, bandit Axam qui était à bord, motocyclette, moun pas identifié, te l'ouvri coup de zam sous machine. Michel Saillé, qui c'est propriétaire, PIA et maquette sous champ de masse, eh bien, yo touye monsieur, c'est pas soi, yo fait machine Michel Saillé à tourner, qui lui-même te gagne avec lui, madame ni Gladys Saillé, et puis avec chauffeur Charles et Champan, qui lui-même démon sa yo, eh bien, yo prend balle, et gravement, eh bien, yo te allé prendre soin sous cabane l'hôpital. Donc, c'est comme ça, situation en yé, situation vraiment te malouk hier après-midi, dans zone et sous la lue, en bas, poste marchand. Donc, gagné, et après événement ça a été fin produit, côté crime ça a été fin fait. Donc, gagné, eh bien, juge de paix qui était lui-même, te vin et les dresser constat, procès verbal, et pour dire qui exactement qui salte ouais après, eh bien, crime ça a été fait sous citoyen Michel Saillé. Donc, juge de paix et Douarin, Edouard Douarin, donc, l'été sous place, eh bien, lui a porté quelques explications dans le micro journaliste qui était sous place. Nous avons constaté également des impacts de victimes sur les parois, tant sur le pape avant que sur le pape arrière. Il était supposé pour ne pas croire dans l'arrière. Oui, ma chère, C'est Edouard Noir.
Jean nous dit lui, eh bien, bandit, pas chômé dans Port-au-Prince, gagné citoyen qui relève France et Adrien, qui vient dit non Boni, eh bien, bandit Axam, tout hier soir, dans la zone Munchies, dans Boisvena, eh bien, côté bandit, était attaqué dans la nuit hier soir, eh bien, victime, non, il était mort là pour là, les bandits ont tiré sous lui. Donc, il y a une situation qui m'a dit, eh bien, pour que autorité fait et redoubler vigilance, et bien pour que population lui-même est capable de vaquer à occupation, puisque bandi yo acheté villa l'argent comptant, sinon pays d'Haïti l'argent comptant. L'autre information gagnée, eh bien, première dame république là, madame Martine Moïse, qui lui-même te fait une visite à hier après-midi dans Cité Soleil. Côté li parcouru diverseries dans Cité Soleil et à côté des diverseries il t'est visité tout où elle t'est passé tout devant commissariat Cité Soleil là t'es bien en pile sécurité qui t'est déployé pour première dame nan rentrer dans Cité Soleil. Eh bien, visite ça, il est venu après cyclone Laura, t'es fin passé, côté le quitter population Cité Soleil là, dans une situation déplorable, côté Ravigno et Rigolio, y'a pas nettoyé, y'a pas de curé, eh bien, l'eau t'est envahi, moun yo dans Cité Soleil, côté, y'a moun qui dit, c'est depuis 2 mois, y'a vivre dans l'eau, dans Cité Soleil, et y'a mandé, et concours autorité. Donc, c'est peut-être dans la logique ça, et dans l'objectif ça, première dame dans lui-même, l'était, fait une visite dans Cité Soleil hier après-midi côté détendé de retour en pile moun après les maman Martine qui sont café pour nous fait qui choix pour nous donc c'est comme ça nous détendé et ensuite nous t'ai constaté et non comportement population et en pile dans moun yo et bien c'est comme si gagne l'argent qui t'a simé à terre et bay moun yo et parce que Jean nous weli c'est comme si dans comportement yo et Jean yo t'a réagi comme si t'ai gagne l'argent qui t'a simé à terre bayo et nous t'ai constaté tout gagne quelques petits enveloppes jaunes qui t'a filé et bay quelques moun la caillou. Donc nous invitons à suivre comment situation entier visite première dame nan nan Cité Soleil hier après-midi. L'autre information, président Jovenel Moïse passé à l'action et bien la stratégie pour que l'imité campé un conseil électoral, un nouveau conseil électoral
provisoire et pour que li réaliser élection yo, élection qui t'a dû faire yo, mais gagner divers secteurs dans société à classe politique là, des citoyens, des monde qui fait partie société civile là yo même, et bien des personnalités qui yo même dit yo pas d'accord avec et mouvement ça président Jovenel Moïse entamé pour que le mette campé yo conseil électoral provisoire, yo nouveau conseil pour que les réaliser élection yo dans le pays d'Haïti. Donc en même temps, il faut que nous disions gagner l'autre monde tout, eh bien qui est d'accord et dans le secteur et qui est au pouvoir, qui est même d'accord pour que vous mettez campé nouveau conseil électoral ça pour que li aller pour préparer nouvelle élection. En même temps, le président lui-même a entamé une démarche tout là, côté gagné plusieurs rencontres qui fait avec quelques organisations que nous avons constaté, mais qui ont même demandé pour que gagné et ont passé main qui fait une nouvelle constitution qui fait dans le pays d'Haïti. Donc, dans ce sens, il faut que nous on dit où gagné et mettre Montferrier Dorval qui lui-même c'est bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince, et ben lui-même lui dit constitution pays a li aller dans sens ça puisque il dit constitution pays a, et ben c'est une sous-crise d'après ça mettre Montferrier Dorval qui c'est bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince yo même, et ben lui-même lui fait connaître dans sens ça faut que nous dit où c'est grand pile monde qui d'accord tout pour constitution hein, t'a gagné pas semaine qui fait là dans ligne pour t'a une nouvelle constitution, mais au pas quoi et que et c'est dans moment ça pour que autorité yo et président Jovenel Moïse l'état entamé démarche si là. Donc faut que nous dit ou gagné, eh bien, et pasteur Maxo Joseph lui-même qui c'est ancien candidat à la présidence, qui c'est un responsable Viamo, eh bien, il fait connait lui-même, eh bien, il condamné attitude président de la République là, il dit qui a cherché diviser secteur protestant dans le pays d'Haïti et à travers demande il fait, il écrit à des personnalités dans secteur pour que yo voye moun, eh bien, pour al représenter yo dans conseil électoral provisoire alors que eh bien, et pasteur Max Joseph dit, yo gagné des revendications et que yo même yo pas voyé personne moun dans secteur protestant et que eh bien et yo non seulement pas voyé moun mais yo pas pour aller dans élection non plus avec président Jovenel Moïse tant que pas gagné yon entente largement large qui fait avec différents secteurs dans nation haïtienne. Nan nous invitons à écouter pasteur Max Joseph. Nous pensons que nous sommes dans un moment très difficile. Nous avons traversé longtemps dans le mouvement pays d'Haïti pour la première fois que le peuple haïtien arrive là. Nous remarquons que nous-mêmes en tant que communauté protestante, pour la première fois, nous prenons la rue. Nous ne pouvons pas prendre la rue parce que nous toujours la prière pour mon Dieu visiter. Mais ça, nous avons traversé là. Si nous avons dit, j'aime conjoncture, nous avons dit que l'insécurité est jodiale sur tout territoire. Président, depuis quelques jours, nous avons une mission, nous avons quelques mandats pour diviser ce secteur. Après toute marche qu'on fait, nous avons tant mon président pour le positionner sous ensemble des revendications que nous débattons, c'est ça qui commence à prendre l'organisation à part séparément pour lui dire que l'État remet pour nous désigner un représentant dans le conseil électoral provisoire. Nous ne pouvons pas faire nomination ça. Nous ne pouvons pas entendre nous pour nous voir un représentant commun, tout un président arrive comme nous sous code pénal. Nous ne pouvons pas voir un représentant dans le conseil électoral provisoire, tout un que président, bon côté parle, il partit qui j'ai la flaque la vie. Il n'est pas dit qu'il s'en a fait sécurité dans le pays, il n'est pas dit qu'il s'en a fait avec crise politique ça. Nous pas quoi c'est l'élection qui est plus important, même parce que c'est la vie peut-être la plus importante, parce que si on ne peut pas vivre, il n'y a pas de calme dans l'élection. Moi, je crois que le président, est-ce que nous avons besoin quand si l'ambassade américaine qui était pour dire, pour corriger la question de sécurité, pour corriger ensemble des dérives de la société haïtienne. Est-ce que le président, si l'ambassade américaine seulement le 4 des département d'État le 4 ces communautés internationales qui attendent, ou bien attendent nous-mêmes, secteur candidat pays, quel protestant, quel catholique, quel représentant, ensemble des citoyens qui forment samedi territoire. D'après ça, le président fait, nous dénoncer le comportement président, l'a passé sous côté, nous voyons des lettres, ils vont y plusieurs institutions, tant que Richard Thomas, qui sont moins que moi, il y a quelques rencontres que nous connaissons l'idée, même pas habitué avec le même
connais, on pas vraiment connaît en pile des organisations, mais m'a dit clairement que ça le vrai fait pas passer parce que moi garanti que monsieur Richard Thomas pas mal prendre chaise ça mettre sous dos en face des haïtiens. Ça la prendre ton tâche pour génération en génération. Quand vous mettez même dans conseil électoral là jeudi à une bonne crise politique, soit en tant que politique qui pour finir faire et puis on va choisir secteur, c'est en tant que politique qui était toujours qu'on choisir, si pas en tant que politique, fédération protestante ou bien aucune autre organisation qui en dans secteur, pas qu'à prendre ça mettre sous dos pour dire vous et monde dans conseil électoral provisoire. L'autre information sur dossier Petro-Caribé, eh bien groupe Petro Challenger eux-mêmes, yo continuer à demander eh bien pour que gain lumière qui fait sur dossier et gestion fonds Petro-Caribé dans le pays d'Haïti. Donc, groupe politique, disons, ils ont demandé divers groupes politiques dans le pays d'Haïti, eh bien, pour ne pas aller dans l'élection avec le président Jovenel Moïse. Donc, d'après porte-parole, et nous conscients, qui c'est un groupe Petro Challenger, eh bien, Mackinson Jean-Baptiste, eh bien, pas gagné aucune possibilité pour l'équipe qui sous pouvoir réaliser élection honnête avec démocratique et transparent dans le pays d'Haïti. Le groupe Petro Challenger fait connaître, c'est une honte pour la nation haïtienne, les gagner 95% dans l'institution de l'État, dans le ministère, qui ont même eh bien, participé dans la dilapidation fonds Petro-Caribéa. Ils ont parlé particulièrement des universités de l'État qui impliquaient dans craser l'agence. Ils ont parlé tout des ministères de la justice, lui-même qui c'est une instance qui t'a dû à surveiller et pour la justice dans la question, mais qui lui-même tout participé dans dilapider fonds Petro-Caribéa. Donc, eh bien, Petro Challenger eux-mêmes, ils ont exigé pour juge la Cour supérieure des comptes, eh bien, mettez d'ailleurs arrêt des baies, eh bien, pour yo relé gros chabrak qui yo même gagné mais yo trempé dans l'agence là pour venir répondre question la justice. L'autre information c'est journée et vendredi a eh bien leader MTVA Reginald Boulos eh bien te répondre question te gen rendez-vous là répondre question bien et ULCC qui c'est unité de lutte contre la corruption et environ deux semaines après leader AAA Yuri La Tortue lui-même l'ital répondre question ULCC. Donc leader MTVA lui-même eh bien l'ité eh bien doit répondre question et ULCC journée vendredi a sous question l'argent que l'ité prêté nan main Lona et gagné quelques années de ça d'après lettre invitation que leader MTVA mouvement troisième voie Reginald Boulos docteur Reginald Boulos lui-même l'ité recevoir faut qu'on dise docteur Reginald Boulos lui-même l'ité annoncé eh bien l'ité pralé répondre invitation si là la disons nan ULCC ensemble avec avocat. Auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, c'est là nous camper avec édition Nouvelle ça. C'est tes amis ou frères Metinfo qui t'observent. Nous casser rendez-vous demain, même l'heure, même chaîne. Si papa bon Dieu content. À bientôt.